الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين مؤمنين على الطاعة مجتمعين. نسأل الله المولى العلي العظيم أن يتم علينا هذه النعمة فنلقاه بها يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد النبي الأمي العربي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الآية سينيفي entraidez-vous pour le bien et dans la piété, ne vous entraidez pas dans la désobéissance et l'injustice. كلامنا اليوم عن القدس وعن فلسطين. Nous parlons aujourd'hui de القدس, là où il y a la mosquée Al-Aqsa, le Masjid Al-Aqsa. وهذه البلاد العربية من بلاد الشام وهي أرض فلسطين. Et ce pays arabe qui fait partie du pays du Sham, لبنان وسوريا والأردن وفلسطين هي بلاد الشام. Le Liban avec la Syrie, la Jordanie avec la Palestine forment le Grand Sham. حيث قال النبي اللهم بارك بيمننا وشامنا. Là où سيدنا محمد a dit: والله بني notre Yémen et notre Sham. On a dit notre Najd. Et سيدنا محمد a répété trois fois: اللهم بارك بيمننا وشامنا. Le Yémen, vous connaissez très bien, et le Sham, je viens d'expliquer. À la fin, سيدنا محمد a dit pour Najd: من هنا يطلع قرن الشيطان. De Najd sort le corne du diable. والله تعالى يقول في القرآن الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الله سبحانه وتعالى a fait voyager son serviteur, son prophète honoré محمد عليه الصلاة والسلام de la Mecque, de المسجد الحرام jusqu'à القدس, là où il y a la mosquée الأقصى. الله تعالى a dit dont on a béni l'enceinte الذي باركنا حوله, afin de lui montrer certains signes parmi les signes de Dieu, parce que الله تعالى a fait voir Sayyidina Muhammad beaucoup de choses dans le voyage nocturne et par la suite lorsqu'il a fait imam dans la mosquée Al-Aqsa et derrière lui tous les prophètes. Sayyidina Muhammad a fait le mi'raj vers les sept cieux, même plus haut, jusqu'il a vu même le paradis. فالقدس إخواني ليست مجرد موقع جغرافي. Alors القدس c'est pas seulement un simple endroit géographique. وليست فقط عاصمة لفلسطين. C'est pas seulement le capital du pays qu'on dit الفلسطين, فلسطين. بل هي من أقدم مدن العالم. القدس c'est parmi les villes les plus anciennes du monde. تعتبر هذه المدينة ملتقى القارات الثلاث, آسيا وإفريقيا وأوروبا. C'est-à-dire c'est là où rejoint les trois continents, l'Asie, l'Europe et l'Afrique. همزة وصل في الحركات البرية. C'est un endroit qui lie les trois continents. Les trois continents sont pas loin de cette ville qui s'appelait Al-Quds. معنو هي في آسيا. C'est dans l'Asie. كانت قبلة للمسلمين 17 شهرا. Était la direction de l'Qibla pour les cinq prières pendant 17 mois. أسري إليها النبي وصلى بها إماما بالأنبياء. سيدنا محمد
a fait le voyage nocturne depuis la Mecque jusqu'à Al-Aqsa, jusqu'à Al-Quds, et il a fait la prière en dirigeant la prière imam, en ayant derrière lui tous les prophètes, pour dire que sa charia approche tous les charias qui sont avec lui, tout en sachant que Moussa est venu avec l'islam, Isa est venu avec l'islam, Ibrahim est venu avec l'islam, Adam est venu avec l'islam, Nuh est venu avec l'islam. لأن الدين عند الله الإسلام. Parce que la religion agréée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. والله تعالى ليس متناقض لا يعطي دينا ويعطي ضده لآخر لا يرسل نبيا بدين ويرسل آخر بدين يعارضه. Allah n'est pas contradictoire. Il ne va pas révéler une religion à un prophète et il révèle un autre contraire à cela, parce que Allah Ta'ala est parfait et la contradiction contredit la perfection. أطلق على هذه المدينة أسماء عديدة منها الاسم العربي الكنعاني مدينة السلام. القدس. Il a eu, depuis l'histoire, plusieurs noms. Parmi ces noms, parmi les premiers noms qu'on a donné à Al-Quds, c'est le nom que les Canéens, qui sont des tribus arabes qui ont immigré du péninsule arabe vers la Palestine, سموا الكنعانيين, هؤلاء عرب هاجروا من الجزيرة العربية إلى فلسطين. أطلقوا عليها, ils l'ont nommé مدينة السلام. Ils l'ont nommé Madinat Salam, la ville de paix, si vous voulez, si on traduit mot à mot. عمر الكنعانيون بيت المقدس قبل 5000 سنة قبل قدوم سيدنا إبراهيم عليه السلام. Les Canaïens, les Arabes Canaïens qui ont immigré de la péninsule arabe, qui ont bâti la ville Al-Quds, si tu voulais, on va dire après Jérusalem, Orchalim, il y a parmi les noms, c'est dans l'histoire, mais parmi les premiers noms, Darussalam, qui était bâti par ces Arabes avant l'arrivée d'Ibrahim alayhi salam. Et Ibrahim, lorsque Allah Ta'ala lui a révélé d'aller là-bas, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a su qu'il sera soutenu par ces Arabes canéens et par le roi de Malki Sudqi qui gouverne la région, qui a cru à Abraham, qui a soutenu Abraham. Et les gens là-bas l'ont soutenu. فهذا الاسم هذا الاسم لهذه المدينة نسبته إلى سالم أو شالم وهو معنى السلام عندهم. Lorsque tu dis sal pour dar al-salam, ça revient pour le nom Salim ou Shalim, si qui revient La ville de la paix, la sécurité, le béatitude. وقد انتقل هذا الاسم وتحول الى اورو سالم بمعنى ايش اورو مدينه اورو سالم اورو شالم يعني مدينه السلام. C'est ça le nom, de là vient le mot اورو شالم. Après les européens ont dit Jérusalem, mais c'est Orosalem, Orosalem, Madinat Salam. C'est la ville de la paix. ولها اسم بيوس لأن البيوسيين العرب الذين سكنوهم من الكنعانيين فاسمها مدينة البيوس. Encore on l'a nommé la ville de Bios, qui était parmi ces tribus arabes canéens qui ont habité là-bas. سكانها الأصليون اليابوسيون. Al-Yabousiyoun. Alors Yabous, Yabousiyoun, de là on a nommé Madinatu Al-Yabousiyin. Haoulaï nazahou min al-Jazirat al-Arabiya, kama kult, min alaf al-Sinin. C'est des gens qui ont quitté le péninsule arabe vers Palestine des milliers d'années avant. Liyastakirru ala al-Jibal al-Mushriqa ala al-Madina al-Qadima. Où ils ont habité? Sur les montagnes qui donnent vers cette ville. Ils se sont installés sur ces montagnes qui donnent vers هذه المدينة. فإذا القدس مشتق من اسمها القديم شالم ومعناه الطهر. De là le nom قدس. قدس,
Ça vient dans le nom pur et purification pure. Et le nom Shalem, Shalem, c'est dans ce sens-là. Et on a dit, de là, on l'a nommé encore Al-Quds. هذا بدي ألفت النظر أنه ملكي صدقي هذا النبي الذي ساند إبراهيم ودعمه وأيده وكان معه ماذا جاء في كتب اليهود عنه ملكي صدقي لا ملك c'est un roi ce roi qui s'appelle ملكي صدقي on voit dans leur livre السفر التكوين ils ont des chapitres سفر التكوين إصحاح 14-19-21 وكان ملكي صدقي كاهنا لله العلي يعني pour dire dans leur livre ils disent au chapitre 14-19-20 au chapitre de التكوين qu'était un homme de bien un homme qui craint Dieu on parle du roi de ces اليابوسيين الكنعانيين كان للمدينة دور مهم خلال فترة إبراهيم عليه السلام في عهد هذا الملك الصالح La ville القدس أورشليم avait un rôle très important au temps de ce roi qu'on l'a nommé Malki Sudqi et Ibrahim est venu vers lui il a trouvé chez lui un refuge un soutien un homme qui a cru en lui, qui a mis son pays, son armée à la disposition de Ibrahim alayhi salam. سيطر عليها داود بعد 2000 سنة. يعني on parle de داود alayhi salam après qu'il a tué Goliath. Mais ça n'a rien à voir avec Al-Quds, mais c'est-à-dire c'est une bataille qu'il a eu lieu, Sayyidina Daoud alayhi salam, avec un grand kafir qui s'appelle Goliath. Et on dit que par la suite, Daoud alayhi salam, nahnu indana hadha malikun nabi, nabi Daoud malikun nabi. Amma madha yaqul fihi, ba'du ahli al-kitab yasifunahu bi sifat fazi'a shani'a khatira. يعني يطلقون عليه الأشياء أنه زان أنه شارب خمر أنه غادر أنه ماكر أنه مجرم نعوذ بالله من سوء الحال certains attribuent à داود عليه السلام qui n'était pas un prophète était un roi injuste qui fait la fornication traître qui tue criminel des choses terribles لكن نبي الله داود كان من عباد الله الصالحين من أنبياء الله الصالحين كان لما يسبح الله يسبح معه الجبال والطير lorsqu'il fait les éloges à Dieu et il avait une belle voix il aimait louer Allah subhanahu wa ta'ala il sort dans la prairie et il louait son Seigneur il louait Dieu avec sa belle voix les montagnes il loue Dieu avec lui et les oiseaux autour de lui louent Dieu avec lui يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد وألنا له الحديد الله تعالى a donné comme miracle à Daoud que le fer était dans ses mains comme les pattes et celui qui a fait le cuirasse pour se protéger pendant la guerre l'habit qu'on porte qui est fait à la base du fer pour se protéger c'est Daoud عليه السلام qui l'a fait en premier ومن بعده جاء ابنه سليمان أيضا سليمان نبي رسول نبي جاء بشريعة موسى يعني داود وسليمان حكموا بالتوراة Ils étaient des prophètes, anbiya qui ont pratiqué les lois révélées à Moussa ce qui était révélé à Moussa dans un livre qui est Taurat Il n'y a pas un livre révélé à Moussa qui s'appelle Talmud Ça c'est des gens qui ont écrit après Mais ce qui est révélé à Moussa, c'est à Taurat. Encore, بعض أهل الكتاب يطلقون على نبي الله سليمان أشياء فظيعة شنيعة يقولون حكم بالسحر ويقولون عنه ساحر ويقولون عنه مجرم ويقولون عنه يميل إلى النساء وهذا غير صحيح الله تعالى
برأ هذين النبيين مما يقول بعض الناس que soit سليمان et داود ont été loués dans le Coran الكريم et que c'est pas vrai ce qu'ils disent certains au sujet de Daoud ou de Suleyman. Ils disent qu'il faisait la sorcellerie, qu'il était un criminel, qu'il courait derrière les femmes. C'est pas juste. هلا هنا كان قوة يعني قوة بني إسرائيل بلغت مداها أو عظمتها في وقت نبي الله سليمان. C'est-à-dire au temps de Daoud et Suleyman, c'est là où vraiment avait un état un peu fort. Hein? Ils ont pris القدس comme capitale et comme vous connaissez, Allah سبحانه وتعالى a donné à Suleyman parmi les choses, il lui a donné un pouvoir qui ne sera à personne avec lui. Le vent était sous son ordre, les grands diables sous son ordre. Et il a utilisé ça, Suleyman, pour propager l'islam. Pour propager l'adoration de Dieu seul, sans rien lui associer. Et ce n'est pas vrai ce qu'ils disent certains à son sujet. وبنى هناك مسجد معروف. On a encore, il a construit Al-Quds, une mosquée connue, سليمان عليه السلام. هذا كان 1000 سنة قبل الميلاد. يعني قضية نبي الله سليمان وداود وكذا 1000 سنة قبل الميلاد, ميلاد عيسى. لا وداود عليه السلام و سليمان ont pris un grand pouvoir là-bas et Banu Israël était fort à leur époque. C'était 1000 ans avant la naissance de Jésus عليه السلام. Mais avant, il y avait 2000 ans que les Arabes étaient là-bas, les Canaéens, Al-Yaboussiyin, avec Sayyidina Ibrahim, qui étaient des gens qui ont cru avec Ibrahim, qui ont soutenu Ibrahim, et c'était des Arabes qui ont habité depuis ce temps-là, avant Ibrahim, jusqu'à cette date-là. Hatta, fi waqt quwwat Suleyman wa Daoud, baqi haoulaï al-Arab fi al-Sahil, walau kant saytarat al-Ibriyin ala ba'd al-Jibal, walakin haoulaï al-Arab kana kullu al-Sahil tahtahum. بهم يعني يعيشون فيه ويفلحون ويزرعون على الساحل. Alors, j'ai dit que malgré l'état fort qu'il a fait, qu'il a bâti, Daoud عليه السلام et Suleyman après lui, mais ces Arabes canéens, ils étaient tout le long dans la mer, aux plages, tous ces pays, tu dis Haïfa ou Yafa ou Tel Aviv, toutes ces villes-là, toutes ces régions de la mer, ces villes-là, qui étaient de la terre très fertile, alors c'était toujours sous le pouvoir de ces Canéens, de ces Yaboussiyins, qui sont des Arabes, qui ont habité, qui ont resté depuis avant Ibrahim alayhi salam jusqu'à cette époque. Ils n'ont pas laissé, ils n'ont pas quitté. Ils n'ont pas été exterminés, ils n'ont pas quitté. Voilà auquel on dit, même si on dit, le peuple d'Israël ou Al-Ibriyin, ils ont pris une certaine force, une certaine pouvoir sur les montagnes vers l'intérieur, à l'intérieur. Lakin fi am 597, istawla Nabuchadnezzar al-Kildani al-Farisi ala al-Quds wa dammaraha. L'année qu'on dit 597, Nabuchadnezzar est venu avec son armée perse, min akhbath muluk al-ard, parmi les plus méchants des rois de la terre. Il est venu là-bas et il a détruit Jérusalem. Et on dit qu'il a tué des milliers, 70,000 ou plus, parce que on rapporte, anna imra'a 'ajouz dallathu 'ala dam yaghli. Une vieille dame lui a indiqué du sang qui bouille. شوصت هذا الدم انا دي ساس النبي هو نبي الله يحيى دم نبي الله يحيى سي لو سون دو يحيى اون دي اون فرانسي جان او بتات ايل ديز يوحنا يحيى باسكو لوسكو ايل ايتي ايغورجي يحيى فو سافي ليستوار باسكو ايل ناكسبتي با كو لو روا برون لا في دو سون ايبوز لا في دو تون ايبوز سي كوم تا في تو
tu peux pas la prendre comme épouse. Et comme elle est vieille, elle a peur de perdre le pouvoir, de sortir du château et d'être loin du roi. Il a dit au roi, prends ma fille. Elle était très belle. Et le roi, il l'exécutait à ce qu'il demande. Chaque jour, il avait un demande. Il faisait ça. Jusqu'à le jour, la mère lui a dit, aujourd'hui, tu vas lui dire la tête de Yahya. Même le roi, au début, était choqué. Il a dit autre chose. Elle lui a dit cela. Je veux la tête de Yahya parce que Yahya, il ne va pas accepter que tel mariage aura lieu. Il va faire tout ce qu'il peut pour dire c'est haram, tu n'as pas le droit. Le roi a envoyé son armée, ils ont égorgé Yahya. Il a ordonné de ramener le sang, mais il y a un peu du sang qui est sorti dehors, qui a bouilli. Et il continuait à bouillir jusqu'à ce roi est venu. La vieille dame, il a dit, voilà, c'est le sang d'un prophète, d'un nabi. Ces gens-là l'ont tué. Il a dit, alors je veux tuer de ces gens-là, jusqu'à que le sang arrête de bouillir. Alors il a tué 70 000. Et là où le sang s'est calmé. إذن قتل منهم 70,000 هذا نبوخذنصر قتل من هؤلاء 70,000 حتى هدأ هذا الدم دم يحيى عليه السلام. تعرفوا أصلا قتلوا قبل ذلك أباه زكريا. Et avant ça, ils ont tué Nabiullah Zakaria, ils l'ont scié. لأنه قالوا أنت أحبلت مريم. Ils ont dit c'est toi qui as mis enceinte مريم. Mais معاذ الله كيف هذا؟ معاذ الله كيف أنا أحبلتها؟ قتلوه نشروه اللونسيي وليس هذا فقط بل قتلوا أنبياء كثر mais ils ont tué beaucoup des prophètes avant pas seulement يحيى et زكريا. أما نبي الله يحيى نبي الله عيسى فالله سبحانه وتعالى رفعه إليه وإلا أيضا بعض هؤلاء تآمر مع الروم مع الرومان مع لقتله. Même certains de ces gens-là, ils ont poussé les Romains pour le tuer. Allah l'a élevé au ciel et ils ont tué un parmi ses élèves qu'Allah Ta'ala lui a donné sa similarité par l'aspect, par le visage. هي بعد نبي الله داود وسليمان بعد موت نبي الله سليمان حصل خلاف بين بني إسرائيل. Après la mort de Suleyman alayhi salam, il y avait des grands problèmes qu'il y a eu entre eux. Alors ils se sont divisés en deux groupes. Ils ont fait un état qu'ils l'ont nommé Shakim, capitale Shakim, et ils ont fait un autre qui ont dit voilà c'est Al-Quds. Mais ils étaient deux groupes. Et là on dit que Al-Kaldani Bukhdanassar a détruit Jérusalem. Et il a tué ces gens-là, il les a tués ce qu'il a tué, et il a pris comme le reste là, il les a pris chez lui. Et la deuxième a été détruite à l'année 721. Haïdi, les Asmata Shakim là, Lula Nablus, Aïdan Dummirat ala yad Sarjoun al-Thani al-Ashuri. C'est un roi qui s'appelle Sarjoun, le deuxième de la communauté, on dit Al-Ashuriyin, qui habitait en Syrie. Voilà, celui-là a détruit la deuxième état pour ces gens-là à l'année 721. Tout ça avant la naissance de Jésus, alayhi salam. Kul hadha qabla wiladat Isa, alayhi salam. هلا انتبه نحن بني إسرائيل يعني لأنه كان يجيهم أنبياء يفسدون يرسل الله إليهم أنبياء يصطلح بعضهم ثم يفسدون يعني pour بني إسرائيل الله تعالى envoyé beaucoup d'أنبياء tu vois et des fois après ils tuent le prophète puis après ils reviennent à la désobéissance des fois ils reviennent à l'idolâtrie des fois il y aura des fois des bonnes personnes يعني هيك وهيك يعني. Mais on ne sait pas dans quelle époque ils étaient vraiment. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a parlé d'eux dans le Coran al-Karim qu'ils étaient très injustes dans certains cas. Ils tuaient les prophètes, ils trahissaient. Même Moussa alayhi salam. قال له موسى لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم.
موسى عليه السلام il a dit mais pourquoi vous me faites du mal et vous connaissez que je suis le messager de Dieu pour vous لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم لأن موسى كان إذا اغتسل يعني يعتزل يستتر ما اتهموه بأشياء خسيسة ils l'ont reproché par certaines maladies mais لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم يعني الرومان دمروها 70 سنة قبل الميلاد هنا لما دمرها تيتوس أحد الحكام الرومانيين اسمه تيتوس دمرها دمر القدس ودمرها ولم يقم لهم قائمة بعد ذلك ولم يقم لهم قائمة بعد ذلك 70 ans avant la naissance de عيسى عليه السلام et il les a anéantis il a pris ce qui il a tué ce qu'il a tué le reste il les a vendus comme esclaves أخذ قتل الذي قتله والباقي إيش باعهم عبيد فتفرقوا في الأرض ولم تقم لهم قائمة alors ils étaient dispersés par la terre parce qu'il a tué ce qu'il a tué ce qu'il restait il les a vendus comme esclaves et par la suite voilà ils étaient dans le monde entier ils ont parti quelque dans toutes les directions dans toutes les directions vous les trouvez par la suite هذا بفسر بعدين في شي بروسيا في شي بولونيا في شي بالمغرب في شي بتركيا في شي بجربة في شي كان بحلب في شي كان مصر في شي كان بالعراق في شي كان ب vraiment dans tous les pays après sur cette terre ils étaient حتى يعني هم بيذكروا انه الله سبحانه وتعالى قال ان هذا الشعب سيختلط بالشعوب من اقصى الارض من 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 شرقها الى غربها que ce peuple là va être mélangé avec les autres peuples de l'est à l'ouest dans tous les pays et c'est la réalité c'était comme ça ثم إن قورش أعاد بني إسرائيل إلى فلسطين وبنى لهم الهيكل لكن ما طالت المدة قورش هي بعض المفكرين بعض الباحثين بعض يعني بعض النظار certains qui ont leur point de vue certains qui ont leur point de vue ils disent que toujours il y a un lien entre بني إسرائيل وعباد النار الفرس toujours il dit les Perses avec alors Korosh là celui-là il les a retournés à leur pays il a construit pour eux الهيكل mais Alexandre le Macédoni Alexandre le Macédonois il les a pas laissés longtemps il est venu il les a combattus il les a écrasés et puis après il a pris certains de Mosor et certains de la Syrie qui gèrent le pays pour lui à son absence. يعني ما عاد لهم دور يعني ما طالع يعني مع انه قورش حاول يساعدهم ورجعهم لانه هن اخذوا ارقاء ils ont pris au temps de Bukhtanassar on les a pris comme esclaves là-bas après on l'a بعض النساء certaines femmes شانيك على طول كنت تحذروا من النساء certaines femmes a pu convaincre celui-là de les retourner il les a retournés mais comme je dis Alexandre il les a pas fait laisser tranquille longtemps il a combattu et il les a dominés et il a laissé des gens qui dirigent la Palestine de Al-Batalisa min Misr wa As-Suluqiyun min Suriya بس لا معلوماتكم هلا بالتاريخ يعني هذا اللي احنا عم نقوله ما يجي واحد يقول هيدي انتم نظرتكم هذا ما تقولونه سي كلكان دي ميس اسكو فو ديت سي فوتر فيرسيون اي اون ا نوتر فيرسيون يقول الدكتور اربير ان تاريخ اليهود في القدس وحكمهم لها لم يتعدى 450 عام نحن بنقول قريب ال 200 و 250 لكن هو بيقول انه لم يتعدى 450 عام parmi les chercheurs un docteur qui s'appelle Albert il a dit que les juifs ont pu gouverner القدس pendant 4 siècles et demi بينما العرب حكموها وسكنوها اكثر من 4000 سنة alors il dit que le pouvoir du peuple de Bani Israël sur Jérusalem était à peu près selon lui 4 siècles et demi, 450 ans. Il a dit mais les Arabes ont habité à Jérusalem et ils ont gouverné là-bas
plus que 4000 ans. 2000 ans avant leur existence, avant Daoud alayhi salam ou Sulayman, avant Sayyidina Ibrahim, comme je viens de dire, et au temps de Sayyidina Ibrahim, et après, où ils étaient à ce moment-là, eux, en Égypte, sous le pouvoir de les pharaonites. Alors, jusqu'à Daoud alayhi salam, il y a 2000 ans, les Arabes étaient là-bas. Et eux qui ont fait une période, nous on a dit à peu près 2 siècles et demi, certains ont dit 4 siècles et demi, et par la suite, il y a 2000 ans, encore les Arabes, et ils gouvernaient là-bas et ils vivaient là-bas. Les Arabes ont gouverné, ont habité plus que 4000 ans. Entre ce temps-là, Banu Israël était à peu près dans 450 ans à Jérusalem. وهذه المدة يعني إيش كان فيها حروب وفيها مشاكل. Et dans cette période-là, il y avait beaucoup de problèmes. C'était pas 4 siècles et demi de tranquillité, de paix, de sécurité. Sauf que au temps de Daoud alayhi salam et Sulayman était le meilleur moment. Mais après, il y avait des problèmes. Même eux, ils s'étaient divisés. Il y avait un grand désordre entre eux. Il y avait 2 États. Sans que on parle de Jérusalem et un petit coin vers Nablus, mais les Arabes, ils n'ont pas quitté la région depuis. Ils étaient des grandes villes de la mer, ils étaient toujours avec eux, parce qu'ils étaient des paysans, des gens qui plantaient des arbres, des fruits, de la semence. Ils étaient depuis des milliers d'années là-bas, et ils n'ont pas quitté, ni au temps de Sulayman, ni au temps de Daoud. Ils n'ont pas quitté, ils n'ont pas laissé leur place, leur pays, leur verger, leur maison. ويعترف المؤرخ الآن مؤرخ عبري لاسمه زائف فيلناني. Alors ça c'est un historien, un écrivain, un chercheur de ces gens-là de parmi Bani Israël qui s'appelle زائف فيلناني. أن عمر أورشليم 5000 سنة وأن اليهود لم يعيشوا فيها أكثر من 1000 عام وأن حكمهم لها لم يتعدى 450 سنة. Alors il dit, c'est une ville, pour parler Dar Salam, Orochalim, Madinat Salam, Al-Quds, Madinat Al-Tuhr. Il a dit, ça date de 5000 ans. Et que les Yahoud ont vécu là-bas à peu près 1000 ans. Et ils ont gouverné, pas pendant 1000 ans, ils ont gouverné 4 siècles et demi, comme il a dit Zaïf Velnani. ويقول باحث آخر اسمه دلاسي أوليغلي في كتابه البلاد العربية قبل محمد. Alors en parlant de يعني أنا لما بقول احذروا من كيد النساء لأن الله تعالى قال إن كيدهن عظيم. مش كل النساء. Si j'ai parlé une femme a fait quelque chose, c'est pour dire que certaines femmes, ils peuvent avec leur beauté et leur corps. Mais bien sûr, ce n'est pas toutes les femmes. On est d'accord. Il y a des femmes comme Mariam, Fatima, Khadija, ainsi de suite. Vous connaissez. Et je pense que tout le monde a compris que certaines femmes, dans les hommes, il y a des hommes, il y a des hommes, et dans les femmes, il y a des femmes et des femmes. On est d'accord. بصبع في بعض الرجال بخافوا حط جيب سيرة النسوان يستر عرضك أنا ما بخاف. Il y a des hommes qui ont peur. Mais non. On sait de quoi on parle. طيب. فإذا دلاسي أوليري. Il a un livre qu'il a nommé Les pays arabes avant Mohammed. Il dit إن معظم الفلاحين الفلسطينيين الحاليين الآن هم أنسال تلك الأقوام التي سبقت العبريين. Alors il dit ce chercheur que les Palestiniens qui habitent actuellement en Palestine, parce que vous connaissez, ils sont partout. Ils ont les arbres, ils ont la plantation, et surtout les olives et d'autres choses. Ils disent, ce sont les descendants de ces
de cette communauté arabe qui ont été avant Banu Israël, ces Canaïens, Al-Yaboussiyin, et ces gens-là sont les descendants des autres qui ont habité dans ce pays avant le peuple d'Israël, avant Al-Ibriyin. ومثله قال البريطاني جيمس فرازر في كتابه الفرع الذهبي أنهم ما زالوا يسكنون تلك الأرض. Alors encore, un de l'Angleterre qui s'appelle James Fraser, il a dit que ces Palestiniens qui habitent là-bas, ce sont les descendants de ces tribus arabes qui ont venu de péninsule arabe pour habiter là-bas 2000 ans avant l'arrivée de Yusha et par la suite avant l'arrivée de Daoud alayhi salam et Suleyman, c'est-à-dire où vous voulez dire les descendants de Yaqub. On est 2000 ans avant. C'est Sayyidina Moussa qui est entré. Vous connaissez l'histoire. Sayyidina Moussa a sauvé le peuple. Et lorsqu'il est arrivé vers... Ah, il n'est pas encore vers le Quds. Il est vers Ariha. Il a dit là, il y a des gens injustes. Ils sont comme Jabbarin, Kbar, Dakhmin. C'est des gens grands, de taille, forts. On va les combattre pour les faire sortir. قال له قومه اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. Qu'est-ce qu'ils ont répondu à Moussa alayhi salam? النبي, celui qui les a sauvés, celui qui les a fait sortir en ayant 12 chemins dans l'eau, dans la mer, et ils ont vu les montagnes en eau qui n'a pas tombé sur eux. Une fois qu'ils étaient sur la terre, il a dit on va combattre ces gens injustes dans la ville qui s'appelle Ariha. Et ils ont dit, nous on est là. Toi et ton Dieu, tu vas les combattre. Nous on est là. 40 ans, ils étaient perdus. Ils n'arrivaient pas à trouver la terre. Tu vois, parce que comme ils ont désobéi à leur prophète, ils tournaient toute la journée, ils revenaient là où ils ont sorti. Pendant 40 ans, Sayyidina Moussa a demandé à Allah Ta'ala que sa mort soit proche de la terre sainte. Alors c'était à une lance du pierre. Sayyidina Moussa a demandé ça et Allah lui a donné. Allah lui a accordé, il est mort. Et c'est Yusha après la mort de Moussa, Yusha a pris une partie et il a pu rentrer à Ariha. Et par la suite, après, on a dit qu'ils ont pu un peu agrandir jusqu'ils ont arrivé en très bon état au temps de Daoud alayhi salam et Suleyman. Nous sommes la même chose, nous sommes. لما بنحكي عن نبي الله داود وبنحكي عن نبي الله سليمان وبنقول من بني إسرائيل وأنبياء بني إسرائيل لكن كنا نفرح بالكلام عنهم لأنهم كانوا ينشرون الإسلام لكن لا نسب نبي الله داود فنقول عنه مجرم وزاني ولا نسب أيضا نبي الله سليمان فنقول عنه ساحر ومجرم ونسونجي ونحو ذلك نو Lorsque vous lisez dans le Coran et on passe par Daoud, on passe par Suleyman, c'est des grandes personnalités pour nous, on est content. Le fait qu'ils ont propagé l'islam, qu'ils ont combattu des gens injustes, tu vois, et on parle que ce sont des grands prophètes, on ne dit pas que celui-là il est criminel et qu'il est traître, qu'il est fornicateur, ou on ne dit pas de l'autre encore qu'il est un criminel qui faisait la sorcellerie, ma'azallah. On ne dit pas ça, on dit c'est des grands hommes, c'est des grands prophètes. Mais alors, on est revenu à dire que James Fraser, dans son livre Al-Far' al-Zahabi, que ces Palestiniens, ceux qui laborent la terre actuellement, ce sont les descendants de ces tribus arabes, les Canaïens qui étaient avant Ibrahim, alayhi salam, et qui étaient avant Yusha et Daoud et Suleyman, 2000 ans. 2000 ans étaient, et pendant que l'état de Bani Israël en fait un état à Jérusalem et était fort, ils étaient toujours vers la mer, ces gens-là, ils n'ont pas quitté Haïfa ou Yafa ou toutes ces villes-là du côté de mer, ils n'ont pas délaissé, ils n'ont pas quitté. Et par la suite encore, lorsque les Romains ont attaqué, les Perses ont attaqué, ces gens-là ont continué. Jusqu'à que le dernier, qui est Titos, qui a détruit, qui a tué ce qu'il a tué, il a pris les autres et il les a vendus. Alors était là, toute cette région sous le pouvoir romain. يعني بالأخير, بعد Titos, خلاص, ما عاد في من بني إسرائيل, قتل الذي قتل,
وشرد الذي شرد في آفاق الدنيا، في البعيد والقريب، في البلدان البعيدة، ومزقوا شر ممزق بعد ذلك. وكان الحكم لمين؟ للرومان. طيب، هلأ لما كان الحكم للرومان، وكنا نحن 70 سنة قبل ولادة عيسى حصل الذي حصل، وبعث النبي عليه الصلاة والسلام بعد نحو 5 قرون من رفع عيسى، سيدنا محمد اتي envoyé 5 siècles à peu près après Jésus alayhi salam. Cette période là c'était cette région, que soit tu dis la grande partie de la Syrie, le Liban, tout ça c'est la Jordanie sous le pouvoir romain. شانك تشوف الاثار الرومانيه في بلاد الشام. وبزمن سيدنا ابو بكر ارسل الجيوش الاسلاميه، au temps de Abu Bakr al-Siddiq, qu'il a envoyé l'armée islamique vers les Romains, il a envoyé l'armée islamique vers l'Irak. بضعة آلاف. أنت عم تتكلم على أقوى أمبراطوريات في ذلك الزمان، الرومان والفرس، من أقوى الأمبراطوريات في العالم. أرسل بضعة آلاف هنا وبضعة آلاف هنا، لأن النبي قال: تقولون لا إله إلا الله، هذه الكلمة تدين لكم بها الروم والعجم، تنتصرون عليهم. هذا معناه. سيدنا محمد a dit: vous allez prendre victoire sur les Romains et les Perses. Lorsque vous dites la ilaha illallah, vous aurez la victoire. سيدنا عمر لما أو بكر il a envoyé quelques milliers, mais on parle là-bas quelques centaines de milliers. L'armée, une partie de leur armée, quelques centaines. تعرف روما، روما وفروعها، روما وفروعها. يعني dans telle région ils ont des centaines de milliers, dans telle région ils ont des centaines de milliers. La même chose les Perses. ولكن هذه الجيوش الصغيرة، ces petits armées, ils prenaient des victoires. وبزمن سيدنا عمر، au temps de سيدنا عمر، أرسل إلى جيشه إلى القدس. Il a envoyé son armée vers القدس. دول رجال الكنيسة في القدس عندهم معلومات معينة أنه الأمير اللي حيجي يأخذها حيفتحها بصفة كذا وكذا. Ils avaient une certaine connaissance, que ça a été dit, de soit un prophète leur a transmis ou quelque chose, mais ils ont dans leur écriture que la ville Al-Quds va être prise, conquérie par un amir. Et il y a certains attributs, ils n'ont pas dit aux musulmans. لكن قالوا قولوا لأميركم هذا يأتي إلينا لعل نعطيه المدينة من دون حرب. عندنا صفة معينة إذا وجدناها نعطيه المدينة من دون حرب. Ils ont dit, nous on a une certaine description. Si on la trouve, on vous donne la ville sans guerre. Vous voyez que vous trouvez que les musulmans la yuhibbuna safka ad-dima, yuriduna al-afwa wal-afiya wa yuhibbuna al-khayra lin-nas. Sayyidina Omar eja min al-Madina al-Munawwara ala al-Quds al-Sharif haqnan lid-dima. Ces gens-là, ils disent, ils sont prêts à livrer la ville sans guerre s'ils voient l'amir. Alors l'amir est venu. L'amir est venu, il n'avait pas des gardes-corps avec lui devant et derrière et à droite et à gauche. Il est venu sur un chameau avec son serviteur, Jamal Wahad. Et parce que l'amir est mutawadi, puisque c'est un amir très modeste, une fois lui, il est sur le chameau et son serviteur, il est devant lui. Et une fois c'est Omar qui prend et son serviteur, il est sur le chameau. Une fois moi, une fois toi. ما حنركب اثنين على الجمل ونقتله. On va pas être les deux sur le chameau et on le fait tomber mort. هي اولا طال حصاره، c'est-à-dire au début il y avait un grand encerclement de la ville de Jérusalem. فخرج عليهم طلب رئيس البطارقة وقال لهم ما اخبرتكم. فلما وصل الخليفة بيت المقدس أطلع عليها البطريرك سوفرونيوس. alors le patriarche qui conduit là-bas il s'appelle Sophronios. il a regardé avec encore les gens de l'église, les grands cardinaux ou quelque chose, mais c'est des orthodoxes. peut-être c'est un peu différent lorsqu'on dit des catholiques. من هذين، ils ont dit qui sont ces deux. قال هذا عمر بن الخطاب وخادمه.
Les musulmans, ils ont dit, c'est Omar ibn Khattab, c'est l'amir, et c'est son serviteur. فَقَالُوا أَيُّهُمَا عُمَرْ Ils ont dit, lequel est Omar al-amir? Celui qui est à pied. وَأَيُّهُمَا الْخَادِمْ Et celui qui est le serviteur, celui qui est le sur le chameau, celui qui est sur le chameau. فَبَعْدَ ذَلِكْ قالوا إذن نوافق إذا دي أن أكسبت لأن هذه الصفة التي نجدها on voit que celui qui prend conquête de cette ville il sera à pied et son serviteur il est sur le chameau il prend la ville et il n'a pas tué une seule personne ما قتل نفسا واحدة ما أريق دم شخص واحد on n'a pas fait couler le sang d'une seule personne سيدنا عمر سيد أهل الكشف سيدنا عمر le maître des pieux des saints que Allah Ta'ala leur a dévoilé certaines choses فلما عمل العهد العمرية le pacte de عمر بن الخطاب انه voilà الكنائس التي انتم عليها تقيمون فيها les églises que vous avez vous continuez à être dedans ou il y a des conditions في اشياء وكتب عليهم وألا يسكنها يهود اي فو نو ليسي با وهن بيقولوا بعضهم انه البطريرك هو اللي طلب ولكن بالمكتوب ألا يسكنها يهود كو لي جويف نابيت با دودون اي يل ديز سيرتان كو سو لو باتريارش كي ا دوموندي كو سي جون لي زوتر نابيت با ا جيروزاليم القدس القدس لكن في وقت من الأوقات عن certain moment البابوات في روما وقد أكلهم الحقد il y avait les papes à Rome qui avaient de la haine contre l'islam et les musulmans et ils ont fait bouger les rois en Europe d'aller pour Jérusalem et pour enlever ces musulmans. Vous voyez, ils parlent de Jérusalem. Mais ils ont tué des milliers en dehors, vers les pays de, comment on dit, de la Turquie, vers la Syrie, vers l'Égypte. Ils ont tué des centaines de milliers. Mais, دخلها الصليبيون عام 1999. Et ils ont rentré après plusieurs attaques sur les pays de l'islam. Ils ont rentré à Jérusalem à l'année 1999. Ils ont fait une année. Lorsqu'ils ont rentré les croisés, lorsqu'ils ont rentré 100 ans, 100 ans, j'ai dit non, un siècle, à peu près un siècle, c'est-à-dire 100 ans. Ils ont rentré avec pacte, d'Akhalou Bel-Aman. Ils ont donné un pacte, mais ils n'ont pas respecté le pacte. Ils ont tué tous les gens qui sont devant eux, hommes, femmes, enfants, grands, petits, sans distinction. Ma khallou hada. Il y a des gens qui ont allé vers la mosquée Al-Aqsa et autour. Le lendemain, ils ont tué 70 000 dedans. 70 000. Au top de ce qu'ils ont tué le premier jour, ils ont tué le lendemain 70 000 personnes. Jusqu'on voit les pieds qui flottent sur le sang. حتى صار الأشلاء رجل أو إيد تصبح على وجه الدم في المسجد. Le sang a coulé à tel point que les membres flottent au-dessus du sang. Et après, ils ont continué jusqu'il ne restait même pas un musulman. Et ils ont mis la mosquée Al-Aqsa, c'est là où on met les animaux. Ils ont mis les animaux dans la mosquée Al-Aqsa. طيب هلا بس لما دخل المسلمين ايش عملوا au temps de Sayyidina Omar, ils n'ont pas tué une seule personne. Et Sayyidina Omar est venu de la Médine sur son chameau. Et c'est une longue distance afin de sauver la vie de tout le monde et rentrer en paix dans la ville Al-Quds sans faire couler le sang.
هلا عملوا الجريمة تاعيتهم، ما هيك؟ ما فيهم يخبوها. لا كريم اي تيفي، هلا ما حنحكي انه بس هيك بس يعني لما اجت ريشار قلب الاسد كور دو ليون كي فيني دو لانجلتير، هذا بس لحاله قتل 30,000 مرة وطفل غير الرجال. اوتر كو لي زوم اوتر كو سا ايزون بري كوم بريزونيي 30,000 فام انفون اي لا اوردوني دو لو تيي توس. هذا قلب الاسد، هذا الاسد عندهم، سي لو ليون دو لانجلتير. الى تيي 30,000 فام انفون. بون سي تري كور دو دير كيس كيز اون في كوم خينالي. خلينا نحكي عن صلاح الدين لما حرر القدس. En parlant de صلاح الدين lorsque il a libéré القدس. لو بتعرف واحد من ابطال هؤلاء الفرس، من ابطال هؤلاء الرومان، يعني صلاح الدين سمح له يدخل، كان هو عنده اسير. ان parmi les grands grands combattants s'appelle Jonathan ou quelque chose comme ça. Il a laissé rentrer et c'est lui qui a fait bouger tous les gens là-bas dans la résistance contre Salah ad-Din pendant quelques mois. Ils ont fait beaucoup de morts de l'armée de Salah ad-Din. Il n'est pas rentré facilement après des mois. Et lorsqu'il a pris victoire Salah ad-Din, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Que vous pouvez prendre vos biens, ce que vous pouvez. L'homme, il donne 10 dinars. La femme dans 5 et l'enfant 2. Même certains pauvres n'avaient pas, Salah ad-Din a payé à leur place. Et il ne les a pas tués. Et il ne les a pas massacrés. Et il n'a pas fait comme Isaac. Il a fait Richard, cœur de lion. Et il n'a pas fait comme le roi de tel pays et tel pays. Après la criminalité, c'est-à-dire que ce n'est pas une chose que Salah ad-Din va oublier. C'est une chose qui est très connue dans l'histoire. Que ces gens-là, ils ont tué plus que 100,000 dans Al-Quds. Dans l'Aqsa, ils ont tué 70,000. Mais Salah ad-Din n'a pas fait la même chose. Mais Salah ad-Din, il a laissé ces gens revenir chez eux. Vous êtes venus d'où et pourquoi? Les chrétiens étaient à Al-Quds. Si quelqu'un de vous avait l'intention de rentrer en paix, il peut rentrer en paix. Il n'y avait pas une interdiction que les certaines personnes qui viennent de l'Europe pour habiter là-bas, c'était, il n'y avait pas une interdiction. Mais comme je vous ai dit, les papes là, ils ont mis la haine. Comment ça se fait? Voilà, il faut qu'on aille. Et ils ont fait bouger toute une grande guerre. Mais Salah ad-Din, il n'a pas fait comme ils ont fait ces gens. Il n'a pas tué les gens, ni les femmes, ni même les hommes, même les combattants. Même les combattants qui ont combattu, qui ont tué certains de son armée, il les a laissés revenir chez eux. Et d'abord, entre les choses là. بعد هلا طبعا حتى بهديك الفترات كان بدأت الجرائم المغول. يعني après ça il y avait les vagues ou les barbares ou les tatars, les mongols, les criminels qui sont venus de la frontière de la Chine, d'un pays qui s'appelle Mongolia. Quelques milliers, c'est pas des quelques millions, quelques milliers, mais ils étaient des combattants très forts. Ils avaient des stratégies que les gens n'avaient pas l'habitude. Ils ont envoyé le monde islamique, ils ont envoyé tous les pays de la Russie, ils ont écrasé la Russie. Et à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, après qu'ils ont fait tuer des millions, pas quelques millions, des millions de la communauté musulmane, et parmi les Européens, et parmi les gens de la Chine, et parmi les Russes, tout ça, une partie de ces gens-là qui ont allé jusqu'à la Bulgarie, alors là-bas, les Bulgares, ils ont su comment exterminer ce groupe-là. Et les musulmans, avec Bibers et Qutuz, ils ont su comment encore écraser l'armée de Holako. Et après ça, c'était le grand recul de Tatars jusqu'à que ces gens-là, ils ont embrassé l'islam, en dehors de l'homme qui s'appelait Timurlenk, qui n'a pas resté longtemps, mais qui était parmi les rois les plus méchants sur terre, comme Genghis Khan à peu près. طيب. الدولة العثمانية في حالة الضعف. Les deux derniers siècles de l'Empire ottoman, il y avait
une faiblesse dans l'Empire ottoman. ونحن لما بنحكي عن العثمانيين ما بنحكي مثل بعض الناس بقول الاستعمار التركي، هيدول اصلا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. Les Turcs étaient des musulmans hanafites. Ils ont fait ce qu'ils peuvent faire pour l'islam. Bien sûr, il y a des sectes à droite, à gauche, les sectes comme les Shi'as, les sectes comme Al-Wahhabiyya. Alors ça, c'est des gens contre les Turcs. Alors ils disent ce qu'ils disent. Mais Sultan Abd al-Hamid, pendant, il a pris le pouvoir, il y avait une grande dette sur l'Empire ottoman. Fi duyun kabira kabira ala ad-dawla. Donc, هذا السلطان مع الديون كان عم يسعى يمد من بلاد طاجكستان الى البلد الحرام سكة حديد. ليش لمكة المكرمة؟ Pourquoi? Il voulait à tout prix, il a payé des millions de pièces en or pour qu'il y a le train depuis l'Empire, depuis les pays qui sont à côté de la Chine jusqu'à la Mecque. تعرفوا مين دمر السكة الحديدية؟ بس تعرفوا على لكم مين؟ الوهابيين دمروا السكة الحديدية. الوهابيين ما بدهم المسلمين يوصلوا على مكة بالقطار وكذا، بده اياك تدفع 12 ألف بالأوردينتور قبل ما تطلب فيزا. Ils veulent pas que vous arriviez à la Mecque facilement. Ils veulent que maintenant vous allez au Hajj. عند قطاع طرق. Il y a les brigands, اللصوص. وزارة الحج هيدي. وزارة الحج وزارة اللصوص. Ministère des voleurs. Avant que tu fais quoi que ce soit, il faut qu'on arrache 12 000. 12, 15, ça dépend. Mais de quel droit? مهم. هم اللي دمروا. C'est eux qui ont bombarder le chemin de fer. هذا اللي انفق عليه من مال المسلمين. On a dépensé des millions. طيب. Pendant qu'on est dans le difficulté, on a proposé à Sultan Abd al-Hamid 150 مليون ليرة ذهبية انجليزية. من افخم انواع الليرات. On a proposé 150 مليون pièces de l'or. 150 مليون بيس دولار pour donner un bout de terrain en Palestine للصهاينة. Il n'a pas accepté. Tout en étant dans le besoin, مع انه كان بالحاجة, il était dans le besoin. Il était dans le besoin et il n'a pas accepté. ليس انا الذي يدنس تاريخ امجادي اجداده. C'est pas moi qui salis l'histoire de mes ancêtres. Je vends un bout de la terre des musulmans pour vous. Non, je suis pas celui qui salit l'honneur de mes ancêtres. Ils ont fait toute une grande ruse contre lui jusqu'on l'a enlevé dans le pouvoir. Mais toujours ce sultan, al-sultan Abd al-Hamid, هذا الرجل الطيب, هذا الرجل الصالح, ما دنس سجله, ما باع لا قطعة صغيرة ولا كبيرة. ما باع. Il n'a pas vendu ni un mètre carré ni quelques milliers de mètres carrés contre l'or, des tonnes en or. Il n'a pas accepté. طيب. هلا مين بعدين مع الضعف مع الاستعمار؟ Il y avait la colonisation anglaise pour cette région. On a partagé. L'Angleterre a pris la Palestine. وهيك تنتبهوا انه الحسين الشريف حسين قالوا له نحن حنعمل دولة عربية كل واحدة انت بتحكمها. Ils ont dit les Anglais, on va faire toutes les péninsules arabes, tout un seul pays. من الشام كله هيك لحدود لليمن كله, tout un seul pays et tu sois toi le gouvernement. Et puis il faut que tu sois avec nous contre les Turcs. مشان هيك الأتراك بعز عليهم إنه العرب خانونا. نعم العرب خانوا, في يعني قسم من العرب خانوا الأتراك, حاربوا مع الإنجليز. بس واحد بيصدق الإنجليز؟ واحد بيصدق هيدول الناس؟ حصل الفيلق العربي انتصر, وبسببه فاتت القوات البريطانية وطيروا الشريف حسين وأعطوا سلاح للوهابيين ودمروا قتلوا بالطائف
وبجدة وببلاد الحجاز قتلوا النساء، قتلوا الأطفال والرجال والراكعين والساجدين، كمان الوهابيين ما فيهم يمحوا هذا من التاريخ، مثل ما عملوا الصليبيين ما بيقدروا يمحوه من التاريخ، ما فعله الوهابية من سفك للدماء لا يستطيعون أن يخبئوه، لا يستطيعون. الكتب كتبت، الوقائع سطرت. Alors j'ai dit que Sharif Hussein, il a cru à ces Anglais que je vais être de votre côté et nous les Arabes on va être un seul pays. Il a été de leur côté et il a fait rentrer, ils ont pris victoire sur un endroit contre les Turcs et par la suite les Anglais sont rentrés et ils ont trahi Sharif Hussein. Ils lui ont donné un bout en Jordanie, un petit bout comme ça en Jordanie, et ils ont donné des armes. الوهابيين قال واحد من ال من ال من ال من الإنجليز قال لولانا لولا المال الإنجليزي وسلاح ما كنتوا تسمعوا بشيء اسمه وهابيين. Il a dit si nous l'Angleterre les on n'a pas donné les armes et l'argent vous allez pas entendre aujourd'hui de ces wahhabiyin. هيدول المجرمين سفاكين الدماء. Et j'ai dit, ces gens-là, après les Wahhabiyin, ils ont fait des grands massacres. Ils ont fait des grands massacres. Comme a fait les Sahayina. خوفوا أهل فلسطين وخلوهم يخرجوا باسكو صاروا يجمعوهم المساجد ودمروا عليهم المساجد. Les sionistes, ils réunissaient les hommes, les femmes, les enfants dans une mosquée et ils bombardent toute la mosquée. Même de eux là, ils ont été soutenus par les Anglais, les Américains, ainsi de suite. Alors c'est pour cela les gens, ils ont quitté la Palestine et jusqu'à maintenant ils n'ont pas pu retourner. إذن الصهاينة أخذوا بسنة 1948 ils ont pris une partie de Jérusalem, une partie. هي القدس الشرقية là où il y avait les Palestiniens, ils étaient toujours avec les Palestiniens. المسجد الأقصى et ceux qui autour, l'ancienne ville, tout. Jusqu'à maintenant, il y a les Palestiniens là-bas. Mais bien sûr, à chaque fois, on essaye. Si toi, tu t'absentes une année, ah, c'est fini. Tu n'as plus la nationalité. Tu ne peux pas revenir. J'ai une maison dans ce quartier. Ah, tu ne peux pas rénover la maison. Tu as une maison. Tu as quatre garçons, les quatre garçons se sont mariés. Chacun, il a eu quatre garçons et les quatre garçons se sont mariés. Vous vivez tous dans le 120 mètres. Vous ne pouvez pas ni rénover ni construire. Mais les autres, ils peuvent faire des grands buildings, mais toi non. Pourquoi? On a fait tout pour que vous quittiez. Tu n'auras pas la possibilité de construire, de rénover, de monter un étage. Et si tu fais... Dans ton verger, ah, tu n'as pas le, la, ma عندك رخصة. تبعطيني رخصة ما بعطيك. Donne-moi la permission pour construire. Je te donne pas. Lorsque tu construis et tu dépenses 100 000, c'est là où on détruit. فلذلك في آلاف، مئات الآلاف من البيوت هدمت بهذه الطريقة. Des dizaines de milliers de maisons qui ont été détruites de cette manière. On a fait tout pour que ces gens-là quittent. Mais, حتى وصلنا إلى اليوم, jusqu'à maintenant, vous voyez la Gaza là, c'est 360 kilomètres, il y a 2 millions et demi dedans. 2 millions et demi. Parce qu'on a pris, on les a serrés. Et maintenant, ils disent, il faut que vous poussez. Je pousse où? Je vais où? Il n'y a pas. Dans les hôpitaux, il faut qu'ils vident. Et les écoles, ils font aller où? Et les maisons, on les bombarde, on les casse, on tue les gens. C'est ça qui est dangereux que... C'est de la criminalité en plein jour. إجرام بالعلن. إجرام فاضح. Vous êtes en train de tuer, massacrer tout un peuple. De quel droit? من أين لكم? نعم. فإذا اليوم ولو كان هؤلاء ils cherchent ces gens-là ils cherchent que les Palestiniens quittent ils vont pas quitter ils ont compris que on meurt chez nous et on quitte pas nos maisons nos pays nos vergers
لو قتلنا في أرضنا لن نخرج، لن نهرب، لن نذهب إلى مكان آخر. بس بتذكركم، بدي أقولكم في واحد وهابي من أغبى خلق الله، إذا بدي أقول خلينا نقول من أحمر الحمير على وجه الأرض. il y avait un wahhabi parmi les plus idiots sur cette terre. خلينا نقول parmi les ânes qui ont les plus grandes oreilles. تعرف شو اسمه؟ est-ce que quelqu'un le sait qui c'est qui est? ناصر الدين الألباني. الألباني من أكبر الحمير على وجه الأرض. عم هلكن خليني أقولكن ليش، ما حدا يجي يقول لي يا شيخ شو عم تقول. خلي اسمع شو عم أقول. بالانتفاضة الأولى، انتفاضة الأولى، لأنه هيدول الناس depuis longtemps ils ont dit mais vous voulez faire un accord de paix, laissez-nous vivre en paix. Si vous voulez vivre en paix, laissez le peuple palestinien vivre en paix. بدك تعيش بسلام، خليني أعيش بسلام. أما بدك تقتلني وتعيش بسلام، أنت غبي. Tu veux vivre en paix en me tuant. C'est pas de la logique. C'est pas de la logique. ماشي. هذا ناصر الدين الألباني قال لا يجوز. هذا اللي عم يعملوه الفلسطينيين بالانتفاضة الأولى. انتفاضة شعب بالحجارة كانت يا ناس. C'était, je parle de 35 ans, 40 ans en arrière. C'était les pierres فقط. Il y avait les pierres. يعني اللي عنده مقلعة هداك الكونتورن على ما ولا الى فريمون لارم بس كي لافي لو لونس بيير. قال الالباني لا يجوز. قال الالباني لا يجوز. الى دي سي حرام. لا يجوز. سي دي جون كي فون لا سوسيد. ايل دواف كيتي لا باليستين بور ريفينير كونكيري. قال يجب، يجب على اهل فلسطين، مش على غزه بس، كل اهل فلسطين، مش بس غزة. قال يجب على أهل فلسطين أن يخرجوا منها. والله شو اسمه هيدول اللي نحن نقول لهم الأحبار والرهبان والربان ما عطوا هالفتوى. مام لي ربان إنهم بادوني إنتو الفتوى. attention vous les musulmans vous voulez il faut que vous quittez et il faut revenir en faisant la guerre contre nous. vous n'avez pas le droit de faire la guerre contre nous en étant en Palestine. il faut quitter. بعد في فضيحة أكبر من هذه الفضيحة، وبعدك بتسمع واحد وهاب اليوم بقول بتتبع بالألباني. إذا بتشوفوا لي أحمق من هذا الرجل على وجه الأرض خبروني. Si vous trouvez un idiot plus que celui-là, un traître plus que celui-là sur cette terre, montre-moi. خليني نجيب الدليل تاعك. غمّن ton preuve. بعدهم بيحكوا بالألباني. بيحكوا بالألباني. Il faut qu'il quitte. يجب على الفلسطين قالوا أن يخرجوا. والحاخامات ما وصلت معهم لهالدرجة هيدي. Ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit une telle chose. إذن أهل فلسطين باقين، باقين بالضفة وبغزة. بتحاصروهم، بتمنعنهم الأكل والشرب والطعام. كل واحد عم تقتلوه عم نسجله. Toute personne tuée elle est enregistrée بالاسم، بالعمر، بالشهر. قديش عمره، وين قتل، كل واحد. نحن عنا اللي بيقتل قتيل، بدكم تعطونا 100 ناقة. celui qui tue une personne حتى بالغلط، حتى بالغلط même par erreur il faut donner 100 chamel. ما عندكم جمال، بدنا نشوف قديش القيمة. كل واحد ب 100 ناقة. هذا لو كان بالخطأ، ما هن عم بيقولوا بالغلط عم نقتل المدنيين، عم بيقولوا بالصواريخ. il tue alors chaque personne qui est tué. حتى سيدنا محمد، au temps de سيدنا محمد il y avait certaines fois quelqu'un qui a été tué par erreur et سيدنا محمد a donné son chamel. quelqu'un qui a été tué par erreur et سيدنا محمد a payé son chamel. alors lorsque vous tuez injustement et vous dites par erreur il faut préparer le prix de son chamel. 100 ناقة. كل واحد تقريبا 200 ألف دولار، صبي ولا مرة ولا طفل. ولو مر بعد 100 و200 سنة حنحاسبكن عليها. même s'il y a encore un siècle deux siècles vous allez payer ça. حتى جورج بوش اللي قتل مليون عراقي، celui qui a tué un million d'Irakiens، ضرب 100 ناقة ضرب مليون، 100 مليون ناقة. لكن هذا قتل عمدا. ça c'est la tyrannie volontaire. c'est ça qui est grave. إذن إخواني
بعدما لأنه هذا الكلام vous allez dire pourquoi j'ai parlé de l'histoire de Jérusalem. طلع لنا واحد منظر ومنظر عربي دم ودم صهيوني سافل منحط رذيل ما بعرف شو اسمه ولا اسم أمه ولا اسم أبوه عم ينكر إنه هيدي الأرض لفلسطين عم ينكر وقال هيدول الفلسطينية هيدول شزاز الآفاق هيدول خليط من شعوب. هذا إنسان جاهل تافه. Cette leçon a été faite parce qu'il y avait, on a vu l'aspect d'un homme qui ressemble aux Arabes. مي والعياذ بالله تعالى سي ان هوم ابانيفو حقود حسود عدو لدود اي سي سا كي نو بليس سي سا كي نو بليس بوندون سو مومون لا تو بارل دي جون كي ني كو لي فلسطينيان اي نون با لو دووا دابيتي ايسي ايل دي دي شوز كوم سا ايل دي نون با لو دووا دابيتي ايسي ايل فو كي سورت سي با لور بيي. alors voilà l'histoire avec les chercheurs de parmi Bani Israël, Zaïf, et les autres Britanniques et d'autres, de, d'autres pays qui ont dit que les Arabes, ils étaient 2000 ans avant Daoud et Suleyman, et ils étaient 2000 ans, les deux derniers 2000 ans, ils étaient toujours là-bas. Et pendant les 4 siècles et demi où بنو إسرائيل avec نبي الله داود وسليمان ont gouverné à Jérusalem, les Arabes étaient toujours là-bas, ils travaillaient là-bas, même si l'État hébreu était vers les montagnes, les autres habitaient vers la mer et ils n'ont jamais quitté leur place. Étaient ces des Arabes qui datent parmi, comme on parle de tribu Jurhum, il y avait le tribu Jurhum. Que Sayyidina Ismaïl s'est marié avec une femme de parmi tribu Jurhum. Il y avait d'autres tribus en Palestine qu'on les a nommées Al-Yaboussiyin ou les Canéens et qui ont soutenu Ibrahim alayhi salam et qui ont soutenu Ishaq et qui ont soutenu après Yaqub, c'est-à-dire ils étaient en accord avec ces prophètes, ils n'étaient pas contre eux. Et ces gens-là, ils ont toujours été à Jérusalem et dans cette région-là. Et ils ont tout le droit d'y habiter et de se défendre. واللي ما بيدافع عن أرضه وعرضه وماله أهله وطنه بيكون إنسان ذليل بيكون إنسان حقير. وما يفعله أهلنا في فلسطين أنهم يدافعون عن أرضهم ودينهم وعرضهم وأقصاهم وقدسهم فهم أبطال شرفاء وليسوا خونا جبناء. لذلك نحن معهم وندعو لهم بالنصر وندعو لهم بالثبات ونسأل الله تعالى أن يحفظهم من كل شر ومن كل أذى وأن يجعل كيد الظالمين في نحورهم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب هلا بدنا نقرأ الفاتحة على نية أيضا النصر لإخواننا وعلى نية الشفاء لأختنا مريم أزنود وعلى نية شفاء أخونا عرفات رياضات اللي امبارح كمان قرأنا له الفاتحة عم يتحسن ببركة دعائكم إن شاء الله وعن روح شيخ صديق حبيب مقرئ متواضع جاءته المنية حادث سير ربطوا سيارة الشيخ حسين ندي نقرأ له الفاتحة عن روحه أيضا. alors j'ai dit on va faire la fatiha pour ceux qui sont morts à Gaza en Palestine en général et pour que les musulmans là-bas trouvent la victoire et la résistance et pour الشيخ حسين ندي un parmi nos frères un grand شيخ très modeste très modeste, qui maîtrise la lecture du Coran, qui avait une très belle voix, s'appelle Cheikh Hussein Naddi, qui est mort aujourd'hui par une voiture. Et pour la guérison de notre frère Arafat Riyazat et la sœur Maryam Aznout. Al-Fatiha.
إذا قال هيدي أرض الميعاد، إذا واحد قال لكم هيدي أرض الميعاد، إيه وعدوا بالرجوع بعد ما رجعوا من بلاد الفرس إليها، وعدوا بالرجوع، هذا رجعة واحدة، لم يرد في التوراة رجعتين. Il y avait la terre promise qu'ils reviennent, et il y avait qu'ils ont, ils vont revenir une fois, mais il n'y avait pas deux fois qu'ils reviennent. Tu vois? لأنه هلا اليوم اللي عم تحكوا معهم أنتم عم يقتلوا اسمهم الصهاينة. في شي كذا مليون يهودي ضدهم. Ceux qui font la criminalité à Jérusalem et qui ont pu infiltrer dans beaucoup de pays en Europe par l'argent, c'est les sionistes. Mais il y a des millions de juifs, ils ne sont pas d'accord avec ce qu'ils font, ces criminels. Bas pour votre information. وإذا عادوا للظلم الله سبحانه وتعالى يقول لهم لهؤلاء وإن عدتم عدنا. Si vous revenez à l'injustice, on revient à la vengeance. وإن عدتم عدنا. Si vous revenez à l'injustice envers les autres, Allah تعالى fait envoyer des gens qui prennent vengeance contre vous. نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم